Samedi soir à Lille, l'Écosse a passé une belle soirée, s'imposant tranquillement face à Roumanie 84-0. Le 15 du Chardon s'est surtout donné le droit de rêver encore à une qualification pour les quarts de finale. Pour accrocher cette deuxième place du groupe B, il devra battre l'Irlande, sans lui laisser le bonus défensif, samedi prochain au Stade de France. Un exploit auquel croit Darcy Graham. Maintenant, on va à Paris toutes armes dehors et dans l'idée de sortir notre meilleure performance, a lancé l'ailier écossais après la balade contre les Roumains. Même son de cloche su côté d'Amish Watson, qui veut briser la malédiction face au 15 du trèfle. Une grande partie de la pression sera sur eux. La dernière fois qu'on a battu l'Irlande, c'était en 2017 dans le tournoi des Six Nations. Il ne reste pas beaucoup de gars présents ce jour-là, a-t-il rappelé. On les affronte à leur meilleur niveau. Une grande partie de la pression sera sur eux. Ils en sont à 15 victoires d'affilée et ils ont été excellents contre l'Afrique du Sud. C'est ce qu'on aime, être dans la peau de l'outsider et être un peu sous-estimé. Pour le moment, les Bleus se préparent à retrouver l'Afrique du Sud en quart de finale. Mais cette Écosse-Irlande peut encore chambouler les plans du 15 de France.